Il a 17 ans, il pilote depuis 5 ans environ et il est le plus jeune pilote engagé sur le circuit Euro-NASCAR. Il est girondin et en direct avec nous. Bonjour Paul Jouffreau. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous ce matin sur France Bleu Gironde et France 3 en Aquitaine. Le circuit Euro-NASCAR, pour que chacun comprenne, vous avez quoi comme voiture et ça roule à quelle vitesse, Paul? Je conduis une Ford Mustang. Il y a un énorme V8 de 450 chevaux et ça peut prendre 250 sur les circuits les plus rapides. D'accord, 250. Alors vous courez effectivement sur des circuits, hein, pas sur des ovales comme pour ceux qui connaissent le NASCAR aux États-Unis ou encore l'IndyCar. Et vous êtes le pilote officiel de la Team Speedhouse, c'est votre première saison avec eux. Comment avez-vous été détecté? Ça s'est fait à la sortie du premier confinement. Ouais. En fait, je faisais le championnat de karting d'Espagne et fallait que je me prépare physiquement et commence à me remettre dans le rythme du kart. Et en fait, j'allais m'entraîner sur un circuit à Majesc et en fait, il y avait Lucas Lasserre qui entraînait, lui, son fils. Et en fait, à chaque entraînement, on y allait ensemble. Et il a aimé parce que, en fait, sur tous mes tours, j'étais toujours dans le même dixième. Enfin, j'étais assez régulier, ça lui a plu et... Et j'ai fait aucune erreur sur les 5 journées d'entraînement qu'on a fait ensemble. Et donc, petit à petit, on est devenus presque amis. Ouais. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On a commencé à sympathiser. Il a commencé à nous parler de la NASCAR parce que c'est son team. Et Speedhouse, c'est son team. Et voilà, donc en fait, petit à petit, on a commencé à mettre l'idée. J'ai essayé la NASCAR en novembre. J'ai adoré. Après, on a signé. Et puis voilà. Et puis voilà, vous voilà engagé sur ce circuit européen. Vous avez fait la première course il y a quelques jours sur le circuit de Valence. Ça s'est bien passé. Vous avez terminé deuxième. Un podium pour la première. Bravo. Ça vient d'où cette passion, Paul, du pilotage? Je pense que ça vient de moi et de mon père. Enfin, tous les week-ends, on regardait la F1. Ouais. Et à côté, j'avais la PlayStation 2 et je jouais à que des jouets de voiture quand j'étais petit. Après, pareil, ça a continué sur toutes mes consoles. Maintenant, j'ai des jeux de voiture et maintenant, ouais, j'ai même un simulateur. Et en fait, je pense que ça vient de là, l'envie de faire la course depuis tout petit. Et le grand-père Michel, hein, qui a piloté de sacrées voitures aussi, hein, paraît-il. Aussi, oui. Bravo de ce que vous vivez à 17 ans. Du coup, vous pensez avoir le permis quand même, Paul? Mais faut avoir le code et après, je pense que la conduite, ça va pas être le plus compliqué. Ouais, je pense que ça devrait aller aussi. Paul Jouffreau, suivez-le sur les réseaux sociaux. 17 ans, ce Girondin est le plus jeune pilote engagé en Euro-NASCAR et on va suivre, Paul, vos aventures avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, en tous les cas. Belle journée et belle saison à vous. À suivre, ces réouvertures dont on parle.